Bonjour à tous, c'est Camille Aujourd'hui je vais vous lire Les grands-parents Baboula et Dedoula en Russie Neinei et Heihei en Chine Nona et Nono en Italie Tu as deviné, ce sont les grands-parents On peut les appeler mamie et papy ou leur donner un petit nom, rien qu'à eux Maminette, Papou, Mamige et Papijo Et toi, comment appelles-tu les tiens Tes grands-parents connaissent l'histoire de ta famille ils peuvent te la raconter. Regarde des photos avec eux. Les voici le jour de leur mariage. Ce tout petit bébé, c'est ta maman. Et là, c'est elle aussi, lors de sa première rentrée à l'école. Quel voyage dans le temps Leur maison est remplie d'objets qui ont aussi une histoire. C'est quoi ça, papy Mon premier sac, quand j'étais un jeune facteur. Et ça c'est la coupe que j'ai gagnée fo au foot en 1970. Mamie, elle, a gardé la poupée à qui maman avait coupé les cheveux. C'était vraiment une grosse bêtise. Allez, raconte mamie. Papi et mamie, eux aussi, ont été des enfants. Alors, c'était comment quand ils avaient ton âge Mamie allait à l'école des filles, papi à l'école des garçons. À la récré, papi jouait aux billes et au foot. Tiens ça, ça n'a pas changé. Certains grands-parents travaillent, d'autres sont déjà à la retraite, mais presque tous aiment passer du temps avec leurs petits-enfants. Attention, pas question de faire n'importe quoi. Même si mamie t'adore, elle sait faire les gros yeux. Chez eux, tu te tends aussi chez toi. Un chagrin, un bobo, ils savent t'écouter et te consoler. Avec papy et mamie, impossible de s'ennuyer. Ils sont très forts pour partager leur activité favorite. Que va-t-on faire aujourd'hui Aller voir une expo de peinture, cuisiner un bon petit plat ou réparer ton vélo De ton côté, tu peux aussi les aider. Arroser les tomates ou chercher les lunettes égarées par mamie. Merci, c'est gentil. Tu aimerais peut-être avoir des grands-parents pour toi tout seul, mais si tu as des frères et sœurs ou des cousins, te voilà obligé de les partager. Eux n'ont pas de chouchou. Ce qu'ils préfèrent, c'est quand toute leur tribu de petits enfants est réunie pour un week-end ou les vacances. Quelle ambiance! Chaque fois qu'un bébé naît dans la famille, les grands-parents sont ravis. Toi, tu es peut-être un peu jaloux de ton petit frère ou de ta petite sœur. C'est normal. Mais pas d'inquiétude. Papi et mamie sont toujours là pour te cajoler. Et si tu leur demandais, vous vous souvenez quand moi je suis née? Maintenant, rendons visite aux personnes les plus âgées de la famille, tes arrière-grands-parents. Ce sont les parents de tes grands-parents, ils vivent parfois en maison de retraite ou ils sont aidés dans leur vie de tous les jours. L'aide-soignante trouve que tu as les mêmes yeux que ta mamie et ton arrière-grand-maman. C'est vrai, il y a un air de ressemblance. Regarde, ton arrière-grand-maman s'est amusée à faire son arbre généalogique. C'est un tableau où on peut voir les noms des gens d'une même famille à travers le temps. Ton arrière grand-maman a peut-être des souvenirs de ses propres grands-parents. Zélie et Aimé qu'elle a connus quand elle était petite. Eux étaient nés il y a environ cent vingt ans. Oh là là, ça donne le vertige. Est-ce que toutes les familles du monde se ressemblent Pas tout à fait. Dans certains pays d'Asie, comme au Japon ou en Corée, plusieurs générations vivent sous le même toit. Chaque jour, grands-parents, parents et enfants prennent soin les uns des autres. À l'entrée de la maison se trouve un hôtel. On y fait brûler de l'encens en l'honneur des ancêtres disparus, pour garder leurs souvenirs vivants. Dans la brousse africaine, les enfants sont élevés par tout le village. Les personnes âgées ont plein de choses à apprendre aux plus jeunes, d'histoires à leur raconter, de conseils de sagesse à leur donner. Les anciens sont un peu considérés comme les grands-parents de tous les enfants. Dans très très longtemps, tu deviendras peut-être parent, puis grands-parents ou grand-mère. Que feras-tu avec tes petits-enfants Difficile de le deviner. Mais à ton tour, tu pourras leur raconter qui étaient tes grands-parents et ce que tu faisais avec eux. Et tu auras sûrement autant d'amour à donner à tes petits-enfants que tes mamies et papys, ils en ont eu pour toi aujourd'hui.